Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente encore un nouveau couteau. C'est le dernier de la gamme Zephyr et il s'agit d'un Tanto. Alors en fait, j'avais annoncé que lorsque j'ai sorti le premier Zephyr, donc celui-là, j'avais annoncé qu'il y en aurait au moins deux autres modèles. Donc vous avez déjà vu le Zephyr Dag et là le Zephyr Tanto, c'était donc l'autre modèle que j'avais en tête au moment où j'ai commencé la gamme Zephyr. Donc on est sur les caractéristiques d'un Zephyr, donc c'est-à-dire qu'on est sur 28 cm de long, 2,5 cm ici en épaisseur de lame et 6 mm en épaisseur sur le tranchant. Au niveau du poids, on est un tout petit peu plus lourd que les autres Zephyr. On est à 250 grammes, à quelque chose près, tout simplement parce qu'on a beaucoup moins de matière qui a été enlevée, puisque comme vous voyez, la ligne est ultra basique. Il n'y a pas d'arrondi au niveau du manche, il n'y a pas de double émouture comme sur la dague. Donc finalement, la seule matière qu'on enlève, c'est sur le tranchant. Et donc ça fait un petit peu moins de matière d'enlever que sur les autres modèles. Alors au niveau des lignes, on est sur quelque chose vraiment d'ultra basique, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est vraiment une lame pure. Et il se trouve que pendant que j'étais en train de développer, un petit peu de mettre au point et de tester ce Tanto, Zitoon a sorti en même temps ses Kiridashi. Et ça m'a frappé quand je les ai vus, notamment lorsque Lanceur d'Acier a fait une vidéo avec. C'est que en fait, un Tanto, c'est ni plus ni moins qu'un Kiridashi. Sauf qu'on rajoute une émouture sur le tranchant. Mais sinon, au niveau de la pointe, finalement, on a les mêmes propriétés qu'un Kiridashi de lancer. Alors moi, je ne suis pas du tout habitué à ce genre de pointe en lancer, je veux dire, à lancer des couteaux qui aient ce genre de pointe. Et donc j'ai testé, et j'ai été assez étonné parce qu'en fait, ça a certaines propriétés intéressantes. Et je vais essayer de vous illustrer ça, même si c'est pas hyper facile. Vous avez entendu, je ne sais pas si on entend le bruit, mais ça a mordu très très fort. Peu importe, l'intérêt, hop, c'est que, comme vous avez entendu, ça a bien mordu, il y en a un même qui a mordu très très fort, et comme vous voyez, pourtant, ils ont beaucoup trop tourné. Alors, c'est des lancers qui peuvent être valables, mais normalement, avec des lames classiques, attendez, je vais chercher l'autre qui s'était pas planté, normalement, avec des lames classiques, à partir du moment où vous arrivez là, il n'y a plus trop de, voilà, le couteau, il se plante, mais il n'est pas planté très fort. Et là, ce qui a été très étonnant, c'est que là je pourrais vraiment... Bon, la cible est lourde, mais je pourrais presque la soulever. Ils sont vraiment plantés très fort, alors qu'ils sont extrêmement inclinés. C'est lui qui a tapé le plus fort tout à l'heure, quand je vous ai dit, écoutez bien le bruit, c'est celui-là. Et comme vous voyez, il est quand même très incliné. Et en fait, ben ça, c'est dû à la forme de la pointe. Hop, hop. Vous voyez la forme de la pointe? Et ben en fait, lorsque le couteau arrive comme ça, je vais même zoomer, tac, tac, c'est presque du live. Lorsque le couteau arrive comme ça, et bien finalement, dû à sa forme, hop, je vais me mettre là, dû à sa forme, il a beau avoir tourné, il est dans une position pour planter qui reste assez optimale, quoi. J'essaie de vous refaire 2-3 lancers où la lame tourne trop pour que vous puissiez constater un petit peu le son. Hop, on va être un peu trop près, là c'est mieux. Voilà, le son et donc l'impact qui est vraiment surprenant alors que la lame tourne trop. Oh, le dernier, c'est vraiment flagrant. Hop, hop, hop. Regardez-moi celui-là. Tac. Ça, on l'enlève, hop, vous voyez, j'ai même du mal à l'enlever. Celui-là, c'est le dernier. Je sais pas si vous avez entendu comment il s'est planté, mais regardez dans quel angle il est, c'est quasi improbable. Et pourtant, je peux emmener la poutre avec moi. Bon, alors maintenant, ceci étant dit, place au lancer. Donc on va utiliser comme la dernière fois le mannequin parce que les cibles sont fatiguées et j'ai volontairement placé le mannequin, vous voyez, 1 mètre avant les cibles, parce que je vais aussi lancer un petit peu sur les cibles, et du coup ça me permet de travailler un petit peu les décalages et tout, comme j'adore le faire habituellement à l'entraînement. Bon, j'ai pas fait un très beau pivot, mais enfin bon.
encore au coin. Hein. Voilà, donc c'est tout pour ces quelques petits essais de démonstration. Donc les couteaux, évidemment, sont disponibles au même endroit que les autres, donc dans ma boutique qui est en description. Donc ces couteaux, au début, vraiment, pour moi, c'était quand même une expérimentation. Je savais pas trop ce que ça allait donner, les tantôt en lancer, même si je sais que certains en lancent. Et écoutez, je m'amuse beaucoup avec, beaucoup de plaisir, ça fonctionne très bien. Ça fonctionnerait aussi très bien, à mon avis, en no-spin, de toute façon. Le Tiridashi fonctionnant très bien en no-spin, je sais par avance que le Tanto, je vais y arriver, fonctionnera aussi très bien en no-spin, même si moi j'ai vraiment pas de conseils à donner sur cette technique. Et puis sur ce, je tiens encore à remercier comme à chaque fois tous ceux qui me soutiennent, que ce soit en commentaire, que ce soit évidemment sur Patreon, sur Tipeee, et puis je vous dis à très bientôt.